Hey, salut vous chers amis traders, bienvenue sur Price Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. C'est Yann avec vous, et à travers cette vidéo vous allez apprendre à savoir ce que c'est qu'un indicateur et comment les modifier, comment les importer. Allez, c'est parti. Donc là en ce moment je suis en réel, de toute façon je suis sur l'or USD en M1. Je vais passer en M1, en M15, M5, c'est très bien. Et ce que vous voyez à l'écran ici, ben, c'est un indicateur par exemple. Bleu, blanc, rouge. Là. Ce sont trois moyennes mobiles qui constituent un indicateur qu'on appelle les EMA mobiles. Et vous pourrez trouver donc leur fonctionnement, donc comment les utiliser dans d'autres vidéos, dans la Golden Pack, dans la playlist Golden Pack. Vous allez trouver indicateur EMA mobile. Un indicateur, donc, c'est ceci. Ce qui constitue donc mon espace de travail, ce qu'on appelle un template. Donc vous avez trouvé ça, l'indication dans la vidéo précédente. Et ici, nos lignes blanches, bleues et jaunes constituent également un indicateur que j'utilise, qu'on appelle le FXI pivot. Et donc il y a un super indicateur. Et donc en fait, pour trouver tous les autres indicateurs qui sont à disposition dans MT4, vous allez donc dans insertion, indicateur, et vous avez tous vos indicateurs ici. Lorsque vous cliquez sur personnaliser, vous avez tous les autres indicateurs. Alors je vais peut-être pas faire de vidéo sur chacune d'eux, mais j'utilise donc le RSI, les Shimoku, FX Pivot, donc les Shimoku, l'Alligator qui peut être pas mal aussi à utiliser, que j'utilise de temps en temps. Donc voilà, donc en fait ça chacun de trouver un petit peu son cheval de bataille et son cheval de Troie pour être à l'aise avec ses indicateurs. Finalement, pour en avoir testé beaucoup, donc j'utilise beaucoup les EMA mobiles, les Shimoku et les FX Pivot. Après c'est en fonction de chacun. Si vous avez besoin d'indications sur un indicateur en particulier, faites-le moi savoir et je vous ferai la vidéo en contrepartie. Alors, pour importer vos indicateurs, les amis, c'est facile. Vous allez dans Fichier, ouvrir le dossier de données. Alors, peu importe la source de votre indicateur, il peut venir de moi. Lorsque je mets des indicateurs dans les descriptions à télécharger gratuitement ou de sources étrangères, peu importe, la manipulation est toujours la même. Donc, ouvrir Fichier, ouvrir le dossier de données. Vous allez ensuite dans MQL4, vous allez dans Indicator. Et donc, vous copiez et vous collez votre indicateur à ce niveau-là. Vous faites donc clic droit et coller. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer votre fenêtre. Vous pouvez fermer votre fenêtre, fermer votre MT4, le ouvrir à nouveau, et donc vous allez dans insertion, indicateur, personnaliser, et vous le trouverez à ce niveau-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à des indicateurs, encore une fois, n'hésitez pas, je vous ferai la vidéo correspondante. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, très bon trade à tous. Ciao, ciao, ciao.